Salutations amis youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas j'ai la patate. Bon, on se retrouve pour la suite du let's play de Tomb Raiders. Alors, donc on venait pour le mini résumé, hein, parce que pour un résumé total, comme je vous ai déjà dit, le mieux c'est d'aller voir les épisodes précédents, mais comme mini résumé, je peux vous dire que Alex, le geek, est mort. Il était amoureux de Lara et ça l'a tué. Parce qu'il a essayé de l'impressionner, il a fait n'importe quoi, et voilà. Et là, elle se brûle les chaussures. En tout cas, c'est pratique ce petit machin là pour remonter plus vite. J'avoue que c'est bien sympa. Je le sens pas ça par contre. En même temps, est-ce que j'ai le choix? Non, je peux pas descendre. Ah d'accord. Bon. Donc là, je ne peux pas escalader à reculons quoi. Bon bah, si je meurs, Adrien Capoura. Bon. Youhou! Oh, je kiffe ce truc. Ça va super vite. D'ailleurs, j'aurais pu. On va voir si elle fait un résumé là. Hop. Non, pas de résumé. En tout cas, ça me sauvegarde ma progression. C'est déjà pas mal. Hop. Attendez, j'ai mis un truc qui me plaisait pas. Voilà, on remet le silencieux. Tac. Hop. Maintenant, ce genre de truc, je dois pouvoir. Hop là. Le faire venir. Ouais, c'est beau. Ça sauvegarde au passage. Un vieux journal. Bien sûr, il y avait que des feuilles dessus alors qu'il n'y avait pas d'ouverture il y a 2 secondes. Mais bon. Allez, lecture. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté Léonie. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Donc Léonie, hein, pour rappel, c'est des espèces de démons, quoi. Je crois que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo où ils en parlaient. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Allez, allez. Des réponses. Au moins, il faut que tu rentres. D'accord, donc c'est ça qu'ils cherchaient depuis tout à l'heure. Oh. Donc on est revenu dans le bunker, là où il y a eu grosse baston tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour récupérer. Vous voyez que la nuit est tombée quand même. C'est sympa ça. On se retrouve encore une fois dans la nuit. Et encore une fois, je ne sais plus par où je suis arrivé. Non, si je suis arrivé par là. Je vous ai fait peur, hein. Quoi que je dis ça, mais ça se trouve je me plante. Je sais plus. Bon, on va bien réussir à trouver de toute façon. Non. Je suis pas arrivé par là, je crois pas. Mince, je voulais que tu tombes. Ouais, tout qui se ressemble aussi. Non, là, je vais tourner en rond si j'y retourne. Une grenade. Tac. Alors là, c'est là où j'avais trouvé un bouquin qu'elle a pas lu d'ailleurs, bizarrement. Je crois que je suis arrivé par là. Il me semble. Il me semble bien. Elle va finir. Enfin, quand je la vois comme ça, de dos, le cul en pompette. Non, oui, enfin, oui aussi, mais c'est pas le problème. Par contre, quand je la vois comme ça, de dos,
On dirait que son pantalon au final va finir en short. Je sais pas si vous voyez, ça se découpe, ça commence à se découper. Et son t-shirt va finir en petit top. Et à la fin, on sera. Ah bah voilà. Et à la fin, on en sera à la Lara Croft qu'on connaît habituellement, quoi. C'est daté de Meiji 6, autrement dit 1873. Super intéressant. Ça me fait de l'XP, c'est pas grave. Oh là. Non mais sérieux, ça devient un jeu un peu trop souvent cette histoire. Pas un endroit où je peux m'accrocher là. Non mais s'il y a un anneau, c'est que non. Sérieux. J'ai pas envie. Quoi qu'il y a un feu de l'autre côté. Mais bon. J'ai pas le choix en même temps. Adien que pourra. Bon, oh, bizarrement ça me remet juste à côté, c'est que ça doit vraiment être ça qu'il faut faire. Voilà, l'ascenseur magique. Hop, encore un petit feu, mais c'est pas grave. Et on continue. Aïe. Donc oui, je vous disais, ça va ressembler à l'ancienne, enfin à la Lara Croft qu'on connaît, quoi, un petit body, faire un petit top à ras le nombril et un petit short à ras les cuisses. Et en Rangers, et les chaussettes blanches qui dépassent. C'est le bidule que je voulais arracher tout à l'heure, je crois. Alors, est-ce que ça va me faire prendre un raccourci ou est-ce que. Il y a des trucs cachés à récupérer. Il y a des trucs cachés et ça va me servir de raccourci. Encore. Bon, c'est bon. Youhou! Je suis Batman! Non, sérieux, il est bien ninja. On va t'apprendre à viser. Sérieux quoi, il leur faut 2 balles dans la tête pour mourir. Sérieux, 3. Tiens, voilà, t'es mort. Mais je suis passé par là tout à l'heure, il n'y avait personne. Je repasse, c'est rempli quoi. Wow! Celle-là, elle était tendue. Wow! Putain, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. On va dire que c'est la garde où j'essayais de. D'aller, hop là, et voilà. Pourquoi chercher compliqué? Alors, ça fait 9 minutes. Bah, on va voir, hop là, petite cinématique. Ça devrait être bon. Tiens, la tête d'outil. Y'a pas Alex? Non, y'a pas Alex. Merci, au revoir. Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex? Il était encore à bord. Je dirais que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Je reconnais le cuistot. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps.
Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes prêts au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. On remarquera que Sam et Lara sont collés l'une à l'autre. Quand l'endurance a été pris dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. C'est en moi, ils m'ont dit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Mouais. Et puis le mec dans cette histoire, il ferme sa gueule. Aïe. Bon, on va camper un peu. Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère, il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large, mais il faut que j'y arrive. C'est surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Elle veut rentrer auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. Oui, enfin, si tu peux... Si, ils l'ont dit. C'était pour la réincarnation, machin. Bon, bref. J'ai un point de compétence à mettre, et cette fois, j'ai débloqué le troisième. Je peux prendre ce que je veux. Oui, enfin. Débloque aussi le réticule de tir à la tête. Mais je l'ai déjà, le réticule de tir à la tête. Oui, bon, d'accord, je me tais. Je t'ai vu les ennemis à vous porter. Ah non, mais je l'ai pas avec le flingue, par contre. Je l'ai qu'avec l'arc. Ouais, en gros, c'est pour gagner des récompenses supplémentaires, tout ça. Bon, ouais. Alors ça, c'est dans Castagneur. Dans Castagneur, c'était quoi ? Améliorer la puissance de vos attaques après ce qui vous permet de tuer pratiquement tous les ennemis. Les chasseurs, c'était quoi? Les entrées des tombeaux, machin, oui, bah ça je le prendrai plus tard pour refaire le jeu. Bon, donc en gros, faut que je me spécialise dans une autre arme que l'arc. Parce que le corps à corps, non, merci. Et. Bah, le flingue, j'ai pratiquement tout débloqué pour le flingue. Allez, maîtriser. J'ai pas lu, j'aurais peut-être dû parler de... Ouais. Allez, hop. Attends, j'ai pas assez de trucs. 8 sur 10, journal débloqué. Ok. Bah écoutez, je vais arrêter cette vidéo là. Elle sera un poil plus courte, mais bon, des fois c'est un poil plus long, des fois c'est un poil plus court, hein, voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un joli pouce vert, s'il vous plaît. Hein. Ou à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez pas louper la suite, je vous dirai qu'il faut vous abonner. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les zouzous. À très très vite. Bye bye. Au revoir. Ciao.